Cette vidéo est sponsorisée par IE. Merci à eux de m'avoir fourni le pack à louer pour que je puisse le tester en avance. Je rappelle que je ne suis pas payée pour faire ça et qu'ils me l'ont envoyé gratuitement pour que je puisse vous proposer du contenu dessus et pour que je puisse le tester en amont. Merci à eux de m'avoir fait confiance. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour la troisième vidéo sur le nouveau pack à louer. Dans cette vidéo, nous allons créer trois appartements. Un qui appartient à un propriétaire, un qui va être déjà loué et un qui sera vide. Ça va nous permettre du coup d'explorer le mode achat-construction du nouveau pack qui a l'air vraiment très beau et assez complet comme je vous l'avez dit dans une précédente vidéo. On se retrouve donc juste ici avec la construction en mode accéléré. Je m'étais dit que ce serait beaucoup plus intéressant de pouvoir vous parler en fait en même temps et de pouvoir également vous présenter la construction de manière accélérée sans vous montrer en fait chaque objet un à un parce que je pense pas être la seule à le faire forcément et je pense aussi que ce serait plus ludique de pouvoir vous parler et ce serait beaucoup mieux comme format. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo là. Je vais peut-être pas non plus tout vous décrire parce que je pense que l'image aussi parle d'elle-même donc vous voyez un petit peu ce que je suis en train de faire. Là quand même pour vous expliquer rapidement je suis en train de faire une maison qui va être divisée en trois appartements le rez-de-chaussée sera en fait l'appartement du propriétaire et le dessus sera du coup deux appartements séparés pour deux futurs locataires alors ce seront des appartements qui seront quand même assez grands celui du propriétaire est gigantesque d'ailleurs et j'ai franchement aimé construire cette maison je suis pas forcément habituée à faire de la construction j'ai essayé de me débrouiller un petit peu comme j'ai pu avec ce que j'avais et dans cette construction j'ai vraiment utilisé quasiment que le pack à louer du coup c'est un pack comme vous le savez qui va sortir le 7 Décembre, là je sais qu'il est disponible en précommande actuellement. Donc si vous avez envie de le précommander, et eh ben n'hésitez pas. Franchement, pour le coup, le mode achat construction, je l'aime vraiment bien. Je trouve qu'il est très sympa. Il y a quand même pas mal de choses. L'Asie du Sud-Est est bien représentée dedans. En revanche, je trouve quand même qu'il y a quelques petites choses qui manquent. Par exemple, on n'a qu'un seul lit. On n'a peut-être pas beaucoup de décoration au niveau des murs. On n'a pas non plus énormément de plantes. Enfin voilà, il manque quand même certaines petites choses. C'est un petit peu dommage. On a aussi pas mal de nouvelles poutres. On a pas mal de nouvelles colonnes. On a des nouvelles peintures. On a des nouveaux sols. Du coup, c'est vraiment sympa, en tout cas moi j'ai vraiment apprécié construire cette maison là. J'y ai pas passé beaucoup de temps, ça va. Je vous dis, je suis pas une constructrice hors pair, mais quand même, ça va, je me suis plutôt pas mal débrouillée et puis j'ai adoré décorer l'intérieur. Du coup, l'esthétique de la maison est un petit peu traditionnelle également, vu que le mode achat construction s'y prête bien. Et du coup, je peux vous annoncer officiellement que je suis devenue créateur network. Je remercie vraiment Electronic Arts et donc les Sims de me faire confiance et de pouvoir me donner cette opportunité-là. Ils m'ont donné accès au pack en avant-première pour que je puisse le tester et que je puisse aussi vous le présenter. En ce moment, on est en train de le streamer sur Twitch. On peut Découvrir le gameplay, on peut découvrir le mode achat construction directement en stream. On peut avoir aussi vos retours en direct sur le chat, du coup je trouve ça hyper sympa. D'ailleurs, si vous ne nous avez pas encore rejoint sur Twitch, venez parce que c'est vraiment cool l'ambiance là-bas. Et en plus, en ce moment, je suis en train de streamer tous les jours pendant un mois et là on entame la dernière semaine. Ça y est, c'est passé hyper vite, franchement, c'est un truc de fou. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le Creator Network Si vous voulez, c'est un programme où Electronic Arts en fait prend des créateurs de contenu et leur permet de leur donner des avantages comme les packs en avant-première ou alors les packs offerts. On peut comme ça vous les présenter. On peut comme ça se faire vraiment un avis dessus. Là, on est sur une version bêta, donc ce n'est pas une version définitive du pack quand il va sortir. Il y aura sûrement des modifications et des correctifs qui vont être apportés dans la version définitive du pack. Du coup, là, c'est pour ça que vous voyez, en fait, mon pseudo qui se balade de partout. C'est pour ça aussi qu'on peut voir peut-être certains bugs quand on est en gameplay. Et tout ça devrait être corrigé dès la sortie. Bref, je suis méga touchée de pouvoir être créateur network. Vous savez, ça fait des années et des millénaires même maintenant que je joue aux Sims. Je joue aux Sims depuis la sortie des Sims 1, donc j'avais 8 ans. Aujourd'hui, eh bien, sachez que j'ai 31 ans et que j'ai toujours joué aux Sims. J'ai eu une période où j'avais arrêté de jouer, du coup, j'ai pas forcément exploré les Sims 3 par rapport aux autres opus. J'ai beaucoup, beaucoup joué aux Sims 2 et maintenant, bah, forcément les Sims 4. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte que les Sims 5 sortent pour pouvoir voir un petit peu ce qu'ils nous réservent. Quand ils m'ont contacté et qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient que je sois créateur nettoyant, eh ben, j'ai été super contente, j'ai été ravie parce que pour moi, c'est un petit peu comme un rêve qui se concrétise. C'est quelque chose que j'estime être très important pour moi et je suis très contente aussi de voir qu'ils me font confiance et que mon travail est reconnu aujourd'hui. Et bref, c'est super cool de pouvoir partager ça avec vous et de pouvoir aussi vous l'annoncer. Sachez qu'il y aura prochainement une vidéo sur le gameplay qui va sortir dans laquelle en fait je vais explorer un petit peu tout le gameplay. Pour pas trop vous spoiler, je l'ai déjà exploré quand on était sur Twitch. Et pour l'instant c'est difficile en fait de se faire un avis définitif parce que là on a que le jeu de base et que le pack à louer et moi j'aimerais beaucoup voir comment va être le gameplay. Quand j'aurai finalement tout le jeu à savoir avec les packs et les kits, je pourrais je pense me faire un avis vraiment concret sur le pack parce que là malheureusement du coup on voit peut-être pas mal de bugs, on voit peut-être pas mal les défauts également. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qui vont peut-être fonctionner quand on aura accès aux autres kits et aux autres packs. Je trouve quand même qu'il y a certaines choses qui manquent un petit peu dans le pack, je vais pas vous mentir. En tout cas, dans le mode achat construction, vu que c'est le sujet de la vidéo, il manque des lits, il manque quelques petites décorations, je trouve qu'il manque des plantes, je trouve qu'il manque également des tableaux. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'il n'y a en fait pas de salle à manger. Ou du moins il y en a deux, mais elles sont très petites. On n'a pas une grande table avec une grande salle à manger. Par contre, les chaises elles sont magnifiques, les canapés sont très très beaux. J'ai adoré les rideaux et on a aussi aussi également de nouveaux éléments de cuisine qui sont plutôt jolis. Par contre, petite surprise, on n'a pas du tout de nouveaux arbres ou de nouvelles plantes en fait à mettre dans nos jardins. On voit que c'est un petit peu du recyclage du pack dans la jungle ou alors du pack île paradisiaque. Du coup, c'est vrai que j'ai été un petit peu étonnée parce que pour moi, l'Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de choses quand même dans ce sens-là. Et là, on ne les a pas retrouvés, C'est dommage. On a également des nouveaux sols et j'ai eu un gros coup de cœur pour les nouveaux sols. Ils sont très jolis. On a des carrelages, on a des sols en béton, on a des sols en dalles, on a du parquet aussi. On n'a qu'un seul parquet et moi qui suis fan du parquet, je aimé en avoir un petit peu plus j'avoue alors j'ai beaucoup hésité sur la disposition de la cuisine dans la pièce mais j'ai préféré la mettre en coin comme ça j'aime beaucoup les nouveaux cabinets j'aime beaucoup aussi les couleurs et comme je vous le disais tout à l'heure j'adore le sol le sol est magnifique je trouve que les carreaux sont trop jolis ils peuvent totalement aller dans une cuisine ou totalement aussi aller dans une salle de bain on a aussi des nouveaux objets des objets qui sont pour la cuisine et qui sont totalement fonctionnels on peut faire cuire du riz à la vapeur on peut se faire du thé on peut se faire du café avec une bouilloire on a aussi un nouvel égouttoir on a aussi de nouveaux éléments décoration et on a pas mal de choses quand même pour remplir notre cuisine et du coup j'ai hâte de me faire des super belles cuisines vu qu'on a eu le pack de jeux passion cuisine qui est sorti il n'y a pas très longtemps je pense qu'on pourra se faire des très jolis combos on a ce tableau que vous avez pu voir et on a également de nouveaux tapis les tapis sont très cool on a les mêmes de différentes tailles en tout cas ceux qui sont feuillus comme ça et on a aussi un tapis avec des imprimés dessus qui est vraiment très beau et j'adore les couleurs qui sont aussi utilisées et je trouve ça très très agréable en tout cas visuellement j'aime beaucoup les portes aussi sont magnifiques parce qu'elles ont des petits vitraux par-dessus et franchement Franchement jusque là, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais le rez-de-chaussée est plutôt pas mal. En tout cas, le propriétaire, il se met bien, hein. là c'est sûr et certain. On peut pas se mentir. Le propriétaire ou les propriétaires d'ailleurs, peuvent être bien tranquilles. J'ai rajouté aussi des moisissures un petit peu partout ou du moins des traces un petit peu sales en fait dans l'appartement parce que je trouve que ça rajoute du réalisme. On n'a pas tout le temps des logements qui sont méga propres et on a aussi des nouveaux chauffages. Alors, ils sont pas fonctionnels, mais quand même ça rajoute de la décoration. Si vous avez le pack vampire, vous savez que on a que des chauffages qui viennent de ce pack là. J'ai placé des petits lampadaires dehors parce que ils étaient beaucoup trop jolis et les rideaux je suis super fan on a également aussi des nouvelles tringles à rideaux qui sont comme ce que vous voyez là sur les rideaux directement vous les avez à l'unité et du coup voici les chaises qu'on a avec le nouveau pack à louer et euh, elles sont très jolies je pense que je vais les utiliser carrément partout mais par contre j'ai utilisé et eh bien une table de salle à manger du jeu de base parce que comme je vous l'expliquais pour moi les tables de salle à manger sont plus comme des guéridons ou comme des tables de chevet plutôt que des tables de salle à manger après si vous avez un seul ce qui habite dans un un logement ou deux ou trois sims encore ça peut aller mais quand vous avez envie de faire vraiment une table avec une grande famille une très grande à tabler et ben je trouve que c'est quand même assez restreint honnêtement je trouve que c'est un super pack je pourrais pas vous dire aujourd'hui si c'est un indispensable ou pas parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure il faut vraiment que je le teste avec tout le reste de mon jeu pour pouvoir me faire une idée je suis déjà en train de me dire d'ailleurs qu'il faut que je commence à préparer un vrai gameplay en tout cas pour twitch parce que j'ai vraiment envie de pouvoir explorer ça et franchement je sais pas si vous avez vu mais on a une nouvelle mort avec ce nouveau pack là elle est incroyable franchement j'ai adoré la nouvelle mort on se croirait un un petit peu dans The Walking Dead ou alors dans The Last of Us si vous avez la ref. Sachant qu'en plus même les fantômes après peuvent réagir après leur mort et un petit peu se venger tout ça. Ça on avait pu le tester aussi en gameplay et j'ai trouvé ça hyper marrant. Je trouve que l'animation elle est très jolie et je pense que littéralement ça va devenir ma mort préférée. Là comme vous avez pu le voir j'étais en train de faire la salle de bain et on a des nouvelles toilettes qui sont du coup des toilettes turques. Alors ça c'est ma phobie. Hein. Si vous avez vu mes précédentes vidéos vous savez, j'ai pas arrêté de vous le dire. Pour moi c'est ma phobie les toilettes turques mais je les trouve hyper jolies et très sympas et ça un petit peu des toilettes qu'on peut avoir déjà avec le jeu de base ou alors avec les autres packs. Là, je savais pas trop quoi mettre en fait dans le couloir si vous voulez, et du coup, je m'étais dit que j'allais mettre un grand tapis en plein milieu. Et souvent, dans les maisons un petit peu traditionnelles, on peut avoir des super beaux canapés bien décorés à l'entrée avec justement une table de chevet décorée avec une lampe ou n'importe quelle autre décoration. Du coup, je m'étais dit que ce serait sympa de faire ça histoire de remplir aussi un petit peu l'entrée qui est quand même assez énorme. On va pas se le cacher. Là, j'ai placé du coup un énorme buffet. Je le trouve incroyable. En fait, à la base, c'est un arrière de bar. Ils appellent ça comme ça parce que oui, on a eu aussi un nouveau bar avec ce pack là. On a un nouveau barbecue, on a des nouveaux au vent qu'on peut placer dehors. On a aussi un tuk-tuk. Il est trop mimi, mais par contre, énorme déception parce qu'il est pas du tout utilisable. On peut juste le mettre en décoration. Le petit panneau que vous avez vu aussi à l'extérieur, c'est un panneau de location. En fait, il va pouvoir être utilisé. Quand on va être dans le mode vie, on va pouvoir en tant que propriétaire l'utiliser et aussi en tant que locataire, et c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup la petite lampe que je viens de placer ici et la petite ambiance que j'ai donnée juste sur le côté là-bas. Là, je vais m'attaquer du coup au salon. J'ai fait une pièce séparé parce que je trouvais que c'était sympa de faire ça. D'habitude, moi je suis habituée à construire en faisant des salons ouverts sur la cuisine et tout. Là, je m'étais dit que vu que c'était un petit peu traditionnel, je m'étais dit que c'était cool de pouvoir faire vraiment un salon fermé. Bon, il y a quand même une arche, mais vous voyez ce que je veux dire Et j'ai vraiment utilisé des couleurs assez foncées pour ce salon-là. J'ai mis des lampes aussi, j'ai mis aussi des décorations, cette décoration d'ailleurs avec l'éléphant est incroyable, elle est magnifique. J'ai essayé de décorer un petit peu aussi, de mettre des tableaux un petit peu partout pour donner un peu un aspect vivant à ce logement. Et là, je savais pas quoi faire pour pour ce mur là, du coup j'ai mis ces beaux cadres et là j'ai décidé que j'allais mettre aussi des interrupteurs parce que c'est vrai qu'on les a eus il n'y a pas très longtemps et qu'on les utilise pas forcément parce qu'on a été habitué à pas les avoir. Je trouve que ça rajoute du réalisme. Vous savez que je suis fan de réalisme de toute façon dans les Sims et maintenant je m'attaque à la chambre donc on n'a qu'un seul lit. Je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aurais aimé au moins avoir un lit simple, on n'en a pas. Voilà, c'était un petit peu surprenant. Là ce que vous voyez juste à côté, c'était un pot de chambre pour Bambin. Alors je sais pas du tout s'il est utilisable ou pas, faudrait que je le teste en gameplay d'ailleurs, mais euh, voilà, c'est plutôt marrant s'il est utilisable je trouve que c'est cool franchement j'ai essayé de décorer la chambre j'ai mis un petit buffet juste devant donc une petite commode avec une bougie et une plante et là vous allez voir nous avons un nouveau jacuzzi il est super joli à ah, moi quand j'ai vu le nouveau jacuzzi j'ai fait ah ouais enfin on a des nouveaux jacuzzi c'est trop cool et là dans le jardin vous m'avez vu placer du coup un jeu de billes et une marelle alors quand j'ai vu qu'il y avait une marelle mais mon dieu j'étais trop contente elle est utilisable d'ailleurs pour les enfants et également pour les adultes par contre les billes les adultes ne peuvent pas jouer je suis désolée moi en tant qu'adulte ça me Dérangerait pas de rejouer au bi tu vois. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'étais trop contente de voir qu'il y avait ces nouveaux éléments-là dans le pack. Parce que je sais pas vous, mais moi, je passais mon temps à jouer à la marelle quand j'étais petite. J'étais même assez forte, donc voilà, hein, une petite fierté supplémentaire quand même dans mon CV, tu vois. Et du coup, j'ai terminé avec une pièce, une pièce commune en fait, où il y aura donc le chauffe-eau, les poubelles. C'est un petit peu comme les parties ouais communes où tout le monde va pouvoir aller jeter en fait ses ordures et où les propriétaires vont pouvoir aller aussi réparer les chauffe eau etc. En tout cas, j'espère que la construction vous a plu. On va retrouver cette magnifique maison dans la prochaine vidéo qui sera du coup sur du gameplay. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et sur Twitch. En ce moment, je fais un live tous les jours pendant un mois et je suis très 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 active sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous